Mon mari, qui est pâtissier de métier, a voulu travailler cette châtaigne, le fruit qui représente bien l'Ardèche. Donc avec, on a fait toute une gamme de petits biscuits, des petits sablés, des petites tuiles, des langues de chat, dont notre macaron, qui lui est travaillé exclusivement à la farine de châtaigne, donc sans gluten. Ça veut dire que nous fabriquons tous les jours, puisque chez nous c'est tout fait à la demande du client. Tous ces produits sont sans conservateurs et sans colorants. Donc tous les jours on fait un petit peu des macarons, des tuiles, voilà, suivant la commande du client. Alors aujourd'hui on a 14 sortes de petits biscuits. On a démarré avec 4 et toutes les années on fait quelques nouveautés, toutes différentes les unes des autres. De ça on a voulu sortir une pâte de fruits, où là on retrouve la châtaigne autrement, qui est plus connue en crème de marron, en marron glacé. Donc cette pâte de fruits a bien l'arôme aussi de la châtaigne. Et c'est tout à fait différent des petits biscuits. Tous ces produits sont travaillés sans gluten et sans colorant. C'était quand même le but de faire un produit assez artisanal, mais sans rajouter... En venant découvrir les biscuits chez nous, dégustant ces petites gammes de biscuits, il y a l'odeur puisqu'on cuit tous les jours. Cette farine qui ne contient pas de gluten. Donc on a eu l'opportunité de faire déguster aux personnes intolérante à ce gluten, des petits biscuits, dont le macaron, qui est pure farine de châtaigne, et notre petite tuile aux amandes. Et en même temps, on est beaucoup représenté dans les magasins aux alentours, toutes les boutiques de produits régionaux, les épiceries fines, bien sûr. Et puis on a énormément de visites avec les groupes. Alors, châtaigne, une boîte ? D'accord.